regardez l'as en toute chose. Car c'est votre acte, car la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Combien aujourd'hui, lorsque nous subissons au plan moral, au plan physique, au plan social, social de l'histoire, tu travailles dans l'entreprise, tu connais, il y a des choses que tu traverses. Tu ne travailles pas aussi, tu veux aussi travailler. Amen. On se parle de tout cela. C'est dans ce contexte dans lequel l'apôtre Paul les adresse cette lettre. Cela envoyait une vague de suivants de foule qui vont même consulter pour savoir si une vie qui est l'auteur. Bien aimé, quand je retourne dans l'Ancien Testament, Job n'a jamais prié pour savoir sa souffrance est liée à Satan ou la cause de Dieu. Aujourd'hui, plein d'enfants de Dieu, lorsqu'ils sont dans des situations, c'est là qu'ils vont chercher à savoir qui est bishop, qui est prophète, qui est temps. Bien aimé, ceux qui n'ont pas cherché à savoir la source de cette persécution. Paul leur dit de rendre grâce. Paul dit n'ont qu'à apprécier ceux qui sont dedans. Ceux qui ils sont dedans là, il dit c'est la volonté de Dieu. Comment la persécution fait la volonté de Dieu? Comment une persécution au plan moral, au plan physique, au plan social fait la volonté de Dieu à notre égard? Pour nous qui sommes Jésus-Christ, il précise. Ça fait qu'il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de foi qui n'est pas là. On a fabriqué un christianisme pour montrer que notre Dieu bénit. Dieu bénit. Je suis d'accord. Mais combien d'enfants de Dieu qui ont laissé se laisser parler. Non, ça fait qu'ils sont dans l'église, tu n'es pas marié, c'est pas normal. Parce que je connais un prophète, viens le voir. Je connais un apôtre, je connais l'évangile, je connais un pasteur, je connais un docteur qui va déclarer sur toi quand tu vas te marier. C'est la volonté de Dieu pour toi. Si tu fais 15 ans, tu te maries, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un dira, mais Dieu veut que tout le monde se marie. On dit, c'est un Dieu bon. Il aime les bonnes choses. Il donne les bonnes choses à ses enfants. Il ne veut pas que nous souffrons. On sait tout ça. Mais la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. L'Église a oublié ça. L'Église rend grâce à Satan et ses démons en toutes choses. Quand ça ne va pas, c'est Satan. Quand ça va, c'est Dieu. Qui t'a fait ça? Souvent, même, je suis sûr que le diable se plaint devant notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je ne suis pas à la base. Mais comme mon nom est gâté, je vais accepter. Alléluia. Amen. J'ai un amen silencieux. Tu as prié même fort. Amen. Tu dois attendre ton amen. Amen. Lorsque ça ne va pas naître, je vais battre l'homme de Dieu. Eh, viens arriver, viens arriver. Voilà lui, voilà l'autre. Ça va régler ta situation. Et c'est vrai aussi, ta situation est réglée. Mais qui est la source? N'oubliez pas, on l'a dit que le but de la foi, c'est d'éradiquer la foi qu'on confesse. C'est son but. Mais les chrétiens de Thessalonique, Paul les écrit pour les encourager. Il adresse cette recommandation. Il dit, mais quand ça ne va pas, soyez content. Remerciez Dieu, c'est bon. Louez le Seigneur. Quand tu n'as pas mangé, louez le Seigneur. Quand tu n'as pas habillé, loue le Seigneur. Quand tu n'as pas les moyens, viens à l'église. Quand ça ne va pas, loue ton Dieu. N'attends pas que quand ça va, vous venez apprécier. Parce qu'il est facile dans l'abondance de louer les chanter, il est difficile dans la disette de louer les chanter. Mais Paul nous dit, dans la disette là, nous devons louer et chanter Dieu. Dans la persécution, nous devons louer et chanter. Dans les œuvres, tout ça.
j'ai une même situation, je dois demeurer dans la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. On a pris place. Mon maudit Dieu. Quand quelqu'un dit, c'est pas clair. Master, c'est pas clair ça. C'est le diable, c'est ça. Bien aimé, c'est inadmissible, c'est contraire à la foi. C'est contraire à la déontologie biblique. Combien de fois ici? Trois femmes. Oui. Combien? Trois femmes. Trois femmes. Trois femmes. Premier jour, on voulait, j'étais venu à l'évangélisation, on m'appelait à l'évangélisation. Il dit, être compagnon, on a rendu grâce. Deuxième jour, on a rendu grâce. Troisième jour, on a rendu grâce. Jusqu'à le quartier, il y a un monsieur qui est pasteur. Mais on vous vole là. Du coup, priez, ils vont mourir. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Alléluia. Et quand on a rendu grâce, on a lancé les fonds. Dieu a permis qu'on ait quoi? Des instruments pour l'église, des instruments pour Pékin du Chit. La dame qui nous donnait du courant, nous avons de très bonnes relations du moment. D'abord, nos bonnes relations. Pour nous déloger. Parce que c'est pas lui qui dit, Seigneur, c'est lui dans le courant là. Il faut envoyer le feu ici. C'est pas tout ça. Je suis allé la remercier en personne. Je lui dis merci. Pour tout le temps que tu nous as donné, quoi? Du courant. Opération honteur. Niche posée.